Bonjour à toutes et à tous, ici Tatsukoboy et bienvenue, chers amis, bienvenue dans la chaleur torride du désert de l'Ouest américain, la sauvage contrée des États-Unis, peuplée d'indiens féroces, peuplée de scorpions, de serpents, de crotales venimeux et de chevaux qui veulent, voilà, faire l'amour à votre derrière. Bienvenue dans Outlands de Old West, ce joli petit jeu que j'attendais depuis un petit moment. Eh bien, il vient de sortir il y a quelques minutes. C'est globalement un jeu de cow-boy de survie où on va pouvoir crafter plein de choses, genre des armes, des maisons, des vêtements peut-être, des champs de coton. Attends une minute, ça peut être pareil, ça peut peut-être prêter à confusion. Bref, play online, play si... Est-ce que je devrais pas play online tout de suite? Oh allez, playons online s'il y a des serveurs. Je viens d'installer le jeu. Si tu me trouves un serveur FR, moi j'y vais. Je cherche pas à comprendre. On va peut-être se prendre une balle dans la tête pour se faire dépouiller. Mais bon, donc voilà. Jeu de cowboy, survie, cowboy, machin, c'est posé. C'est sorti aujourd'hui, ça coûte 13€ vu que ça sort tout de suite. Mais, comment dire, il y a eu un autre jeu de cow-boy que j'attendais depuis un petit moment, où tu peux devenir le président, où c'était pareil, c'était très survie, c'était très... Il avait l'air pourri. Il avait... J'ai pas essayé, j'ai vu quelques vidéos de gameplay, avant, je me suis dit, il faut que je me le fasse, et finalement, je l'ai pas fait, et je crois que j'ai eu raison. Voilà. Il n'y a pas de mer, donc c'est pas un jeu de pirate. Par contre, on va sûrement pouvoir fabriquer plein de choses. Ça, c'est un écran de chargement extrêmement long. À tout à l'heure. Oh, écran de fabrication de personnage. First name. Attends, tourne-toi, tourne, nous montre pas. Oh punaise, oh, t'as une gueule de porte-bonheur. Comment on l'appelle? On l'appelle Chris. Middle name. Il n'y a pas de middle name. On va l'appeler Chris Juron. Parce que c'est l'enfant de Juron. Voilà, l'enfant de Juron. Ouais. Carpenter, farmer. Ah, d'accord. On peut. Donc. Carpenter ou fermier. Donc charpentier ou fermier, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, alors malheureusement il est disponible qu'en anglais et en chinois. Voilà, des fois que vous parliez l'une de ces langues, voilà, il sera pas, c'est pas prévu qu'il soit en français. Donc du coup, voilà, dans le cul du lu, gender, eh bah ouais, bah le genre, ouais. On a dit fermier, non, oui, non, mais j'ai, oui, je raconte les femmes, je les adore, mais quand même, quoi, je voudrais bien avoir un pénis. Pas très très joli, ses cheveux. Tu sais qui me rappelle avec ses grands yeux bleus, là? Mon nom est... personne. Comment il s'appelle le... Ah, bon sang. Terence Hill, Bud Spencer. Terence Hill, non, lui, c'était Terence Hill. Je sais pas si, pour les vieux de la vieille, si ça vous dit quelque chose. Pas de queue de cheval, enfin, on est dans le Far West. Il y a plein de coupes de cheveux différentes, quand même. Hein. Ouais, enfin, les premières étaient bien. Putain, il y a 30 coupes de cheveux différentes. Ça fait bien Terence Hill. Tu sais, j'ai presque envie de l'appeler Terence, maintenant. Ace. Ah, tu lui laisses ses yeux. Oh la vache. Ah mon dieu. Oh c'est le démon. Oh ça c'est le démon, c'est pas possible. Oh putain la vache. Hey, il me fait peur, hein. Oh le démon il revient. Ah mon dieu, ça fait encore plus démon. Il me fait peur, mais tu vas peupler mes cauchemars, toi, c'est pas possible. Déjà que ça c'est des yeux bleus acier de dingue. Bon, on va lui laisser ses yeux bleus acier. Hein. À mon avis, si j'ai une bête féroce, il suffira que je la regarde très fort. Elle va s'en aller toute seule, le machin, même si c'est un grizzly.
Bon, on est d'accord que ces poils sont absolument ridicules et très très mal modélisés. Non, mais on est d'accord. Les poils du Seymour. Je viens de passer l'après-midi à regarder MV. Skin color. Ouais, enfin, black aux yeux bleus, pourquoi pas, mais. Ouais, enfin, là, t'es mort. Là, t'es un zombie, là, mon gars. Là, t'es à moitié pourrave. Oh, bah dis donc, heureusement que je viens de le dire, hein, moi, moitié pourrave. Là, t'es à 75% pourrave. Et ouais, là, c'est 60%. Non, mais c'est dégueulasse. On est pas dans Red Dead Redemption, hein, attention, hein, j'ai jamais dit ça. Ah ouais, c'est pas Red Dead, hein. Oh la vache. Alors, j'ai pas de PlayStation. Pas de PlayStation 4, hein. Je fais pas de sous, moi, je gagne des centimes avec mes vidéos. Donc, mais j'étais très jaloux. J'étais très jaloux niveau PlayStation cette année. Oui, non, mais d'accord. Skin color, close color. Bon, bah écoute, start the game. C'est possible de starter the game? Ah, tu veux que je choisisse un middle name? Bah, je sais pas. Je suis pas du tout sûr que ça s'appelle comme ça. Mais. Ça m'énerve pas. Non, non, mais il y en a qui s'énerveraient, mais moi pas. Ouais, donc couleur des cheveux, ça tu veux pas? On est d'accord, mais pourquoi tu veux pas ça start de game? Elle vient de tout me défaire. Ok, chers amis, je vous retrouve en jeu si j'y arrive. Ok, heureux, chers amis, ça y est, on y voit quelque chose. Alors là, c'est la nuit, hein, j'ai mis plus de contraste. J'ai mis l'aliasing. Donc du coup, j'ai plus le son. Donc du coup, j'ai plus le son. Oh, c'est merveilleux, mais j'adore faire ça, moi. Essayer des jeux Day One. Écoute, on recommence. Bouge pas parce que apparemment c'est. Ah, d'accord, on voit le volume master qui s'est baissé. Tout va bien. Non, non, mais ça c'est. C'est juste un petit bug. Non, non, mais tout va bien. Voilà, appli, to get back. Non, non, je veux le jeu en 4K. J'étais prêt à baisser un petit peu le truc, mais bon, il y a. Synchronisation verticale qui est aux fraises un petit peu. Très très bien, voilà, on commence à ramasser. Premier pas, hein. Tout premier pas. Le jeu est-il prometteur? Eh ben on n'en sait rien. Je ramasse des trucs. C'est de la lavande. C'est pour se laver le cul, ça c'est bien de la lavande. Un caillou. Un autre. Caillou. Qui c'est qui me fait clac 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 clac? Alors donc normalement je suis sur un serveur français, on l'avait choisi tout à l'heure. Donc si je croise quelqu'un, je pourrais potentiellement un putain de grizzly. Barre-toi, et c'est même pas le grizzly qui me bouffe, c'est cette merde qu'il y a par terre. Un blaireau, une saloperie de blaireau, putain, il y en a plein sur internet. Il faut que j'en tombe un sur le jeu. Dans le jeu. Suivez mon regard. Mais barre-toi, putain, il veut me bouffer le cul cette saloperie. Est-ce que je peux. Et il me suit, mais sur des kilomètres! Barre-toi, saleté! Putain, il en veut, hein! Il en veut, mon gars, il en veut! C'est comme les loups, s'ils veulent te bouffer, ils peuvent te courser sur des kilomètres! Ok, donc énergie, ça baisse dramatiquement. On va courir un petit peu. Alors, est-ce que je peux fabriquer quelque chose? Il y a du crafting, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Ah bah, déjà une pioche, hein, si on faisait ça. Deux de wood. C'est un couteau? Stone. C'est quoi ça? Stone Spear. Je suis pas sûr de savoir ce que c'est exactement. Eh bah, écoute, ça tu donnes. Inventory. Voilà, comme ça, comme c'est la nuit, on va pouvoir enfin y voir quelque chose. Le machin. J'ai réglé tellement le machin, c'est dégueulasse. Oui, non mais équipe-le, non? Pas du tout. Ah quand même.
Ouais, alors là maintenant, admettons. Bon, clairement, le jeu, il n'est pas fini. Clairement, le jeu, il demande quelques petits ajustements. Comme le fait de tenir sa hache. Clairement, le jeu est à 23 FPS. Ouais, donc là, j'ai voulu équiper ma pioche et il a équipé. Putain, des fois c'est dur, hein. Des fois c'est dur d'essuyer les plâtres comme ça. Hein. Oh, oh là, il y a du minerai. Ah bah je récupère de l'iron, donc du métal et du stone. Et voilà, j'ai pulvérisé le rocher parce que moi je suis beaucoup trop fort. Et il y en a encore. And so what? Ouais, je demande peut-être beaucoup au jeu, hein, sans déconner, hein. Il est à 30 FPS, là, il est à 16 FPS, c'est une catastrophe. Ça y est, tu respires à nouveau, t'arrives à vivre. Donc là, on est d'accord, ça marche pas, là, je mange une baie histoire d'eux. Ok, on est remonté à 44 FPS, un truc de dingue, un truc de ouf, gueudin. Monde ouvert quand même, hein. Monde très très ouvert. Qu'est-ce qui se passe si j'équipe là? Donc là, du coup, tu la sors plus là. Peut-être parce qu'il fait jour. Est-ce que je suis en capacité, mais vraiment en capacité, un truc de dingue, de fabriquer autre chose, genre des vêtements? Ah, attends, attends, déjà là, il y a un arc et des flèches. Wood and rope. Qu'est-ce que c'est, rope? Rope. Arrow. Est-ce que ce serait... non, ça c'est du coton. Genre, ça c'est du... Attends, est-ce que ce serait... Ça c'est un piège. C'est pour les trappers. Ça c'est tannerie, c'est pour trapper. Ça c'est une corde. Rope. Et on fabrique ça avec des fibres. Donc j'en fais plein. Donc là je fais un arc. Et là donc c'est un caillou, un wood. Il prend son temps pour fabriquer son arc. Est-ce que je vais pouvoir fabriquer des vêtements incessamment en sous peu? Je vais pouvoir fabriquer une calèche. Oh, ça c'est cool. Un établi, un feu de camp. Et il me manque juste du rope, donc de la corde. Bon, déjà on va faire ça comme ça. Ouais. One bow. Est-ce que j'ai fabriqué des flèches? Oh, mais c'est passionnant. Bienvenue sur Tatsu Game Show, vous qui me découvrez. Attends, c'est... on est bien d'accord que arrow, ça veut dire flèche en anglish, hein. Je suis pas encore trop con. Pointed stick. Un bâton pointu. Je devrais peut-être faire ça. Ça aussi, le tool. Et à mon avis, quand on va commencer à chasser du bestiau, genre l'espèce de saloperie qui a essayé de me bouffer le cul tout à l'heure. Un lapin. Un lapin. Ah punaise, et tu mets du temps, hein. Quand je choisis le marteau, il équipe de l'arc. Excellent. Ah d'accord, il a décoché sa flèche. Ah mais elle tombe en fait. Mais elle tombe. Est-ce que je peux sneak? Genre, tcha, 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 tcha. Pitu lapinou.
La mort est derrière toi. Ouais, en fait, cette courbure absolument dégueulasse, l'arc qui fait 3 mètres. C'est un lapin, ça, ou c'est juste un caillou? C'est un morceau de bois. L'arc qui fait 3 mètres et puis plonge à pas terre. Attends, bouge pas. Non, non, mais on va y arriver. On va y arriver. Attends, y a pas de raison. Commence à buter du lapin et puis après, je vais faire la fête à l'ours. Ah bah voilà, tu vois quand tu veux. Espèce de saloperie, va. Eh ben. Ah, j'ai buté un lapin. Je suis pas si nul que ça. Je devrais faire un feu et peut-être même pouvoir le cuire. Y a-t-il d'autres lapinous à buter? Il paraît que le lapin, ça a un goût de chat. Est-ce que t'es encore en train de les fabriquer? Oui, t'es encore en train de les fabriquer. Bon, il est où le blaireau de la dernière fois? Je vais me le faire, cette petite salope. Bon, pour l'instant, j'ai réussi à équiper l'arc, donc je touche plus, je bouge plus les yeux de la tête. Mercredi. Reviens, reviens, petit renard. Reviens, tu vas m'être très utile pour pas mourir de faim. Bon, j'ai clairement beaucoup trop monté le gamin. Je suis derrière le caillou et il ne me voit pas. Bon, il lui fallait plus de deux flèches pour mourir, j'imagine. Ça a l'air de contenir beaucoup, beaucoup de minerais. Il ne me voit pas, je suis beaucoup, beaucoup trop furtif pour lui. Oh là là, c'est un coyote. C'était un coyote. Ça, c'est des papillons. Oh, c'est joli. Eh ben parfait, qu'est-ce qu'on a? Petit appât. Roaring God. Wonderful, j'ai envie de dire. Bon, alors apparemment, j'ai soif. Enfin, je vais avoir soif. Donc, l'idéal, ce serait de trouver une étendue d'eau. On est revenu à 60 FPS. Je suis désolé de tout à l'heure, mais... Le jeu est tout nouveau, tout beau. Ok, donc je viens d'équiper la hache, en espérant découper un petit peu de bois. Ça, tu peux prendre, ça, c'est du bois que je viens de perdre. J'aime bien l'aspect de l'herbe, en fait. Attends, bouge pas, graphique. Ouais, non, mais oui, bah évidemment. Attends, ça, c'est la résolution. Non, ça, tu touches pas. C'est ça, tu baisses un petit peu. Il y a un chat. Hey, bonjour, attends. Oui, c'est vrai que je suis en clavier américain. Chris Juron. Oh, c'est marrant, ça fait en fond de Juron. Oui, non, pas ça. WD, ça veut rien dire. Mais si je le dis à personne, ça va faire cool. Donc, je rappelle que nous sommes sur un serveur français. Bon, je voyais le jeu plus beau, hein. Je vous le cache pas, hein. J'en sautillais de joie, mais rien ne se passe visiblement. Grande étendue d'herbe, pas dangereuse, hein, plutôt accueillante. Donc j'ai ramassé du bois. Là, par contre, le level 2. À coup de poing, and so what, qu'est-ce qu'il y a? 16 de bois. Des fibres, il va me falloir pour le campfire. Ah, c'est un petit arbre en fait, donc je vous donne des coups de poing dedans. Il va me falloir une étendue d'eau, un moyen de trouver de l'eau, et j'espère que c'est pas aussi débile mental que dans Atlas, genre il faut que tu trouves un coin d'herbe. Que tu sneaks et tu te penches, genre tu creuses et puis tu. C'était tellement, tellement débile. Tu trouvais un point d'eau, tu étais incapable de boire.
Donc on a du charbon. Peut-être pour faire du feu, dis donc. Pas si mal, là, pour une demi-heure de jeu. Là, on a au moins de quoi survivre. Est-ce qu'il y aurait des légumes ici? Il y a juste des fleurs. Légumes, ce serait bien, hein. Là, ça a l'air plus désertique. Attends, il faut que je reprenne. Faut que je reprenne ma hache invisible. Oh, c'est tellement, tellement grand. J'imagine qu'il va falloir que je chope un cheval. Quelque part, d'une façon ou d'une autre. Ah, attends une minute, regarde, c'est un métier à tisser. Une roue. Une aiguille roue. Je crois que je peux en fabriquer une. Wood, il me faut juste du wood. Peut-être que je vais pouvoir fabriquer des vêtements avec ça. J'ai du coton, j'ai 19 de coton. Il faudrait que je trouve du coton, plus de coton. Ah, regarde. Alors, si le jeu... Attention, si le jeu est pas un jeu de merde, tu devrais pouvoir te désaltérer dans ce plan d'eau. Merci! Merci! Hein, c'est quand même pas un jeu à la con! Bon, alors je peux pas sortir de l'étang, d'accord? Mais non, mais attends, hé! Hey. Ah non, mais déjà pour moi, là, il est bien mieux que Atlas, hein! Là, on est très très au-dessus, hein. Là, on a un niveau de dingue, hein. Là, Atlas, c'est de la merde, qu'on soit clair. Même si, bon, bah, graphiquement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, hein. Là, Atlas, il peut aller se rhabiller. Même si, bon, je vois pas mes outils, là, c'est là un point, voilà, il vient de sortir le jeu... Je vais pas te dire des méchancetés dessus. J'espère que ça va vite être corrigé. Sans doute dans le prochain patch. J'aimerais bien trouver du coton. Alors vous en faites pas, hein. J'ai vu tout à l'heure. On appuie sur E, ça le ramassait. Bon, et puis une petite bestiole à tuer aussi. Parce que j'ai envie de sang, j'ai envie de meurtre. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un cow-boy. C'est ce que ça fait un cow-boy. Ça tue des choses. Enfin non, en fait, cow-boy ça veut dire garçon vache. Donc ça s'occupe des vaches. Théoriquement, cowboy, c'est juste un paysan, mais tu me comprends. Je suis américain, c'est le garçon de vache américain, donc forcément, ça tire sur tout ce qui bouge. Moi, je suis là pour jouer aux Américains, d'accord. Putain, c'est gigantesque. Ah, alors, est-ce que j'ai une map? Et ouais, alors j'ai une map qui est noire. Par contre, est-ce que c'était pas possible? D'accord, donc je suis dans la zone là. Alors là, tu regardes, il y a un étang là. Est-ce que je peux continuer? Donc apparemment, attends, bouge pas parce que là, il y a juste au-dessus de moi, là derrière moi, enfin là si je me tourne, il y avait le plan d'eau. Donc là, il doit y avoir d'autres plans d'eau. Et là, il doit y avoir un bel étang, un beau truc, à quelque chose de sympa. Alors, est-ce que je peux? Mais un truc de dingue, un truc de ouf godin. Oh, c'est formidable. Tu peux mettre un point sur la carte. Mais attends, mais on est où, là? Alors, j'essaye beaucoup de jeux. Et quand c'est pas totalement un jeu de merde, eh ben, voilà, moi, ça me convient. Oui, oui. Et ben voilà, qu'est-ce que j'ai dit. Et en plus, sa carte est cohérente. Eh, sans déconner, c'est beau ou pas? Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait du maïs. On va faire du popcorn. C'est de la fibre. C'est de la fibre. J'ai toujours eu la fibre artistique. Ok, 34 minutes de vidéo, c'est pas mal, j'ai envie de dire, formidable. Alors, on va pouvoir pêcher, normalement. D'ailleurs, est-ce que, mais par le plus grand des hasards, un truc de dingue, je pourrais fabriquer une canne à pêche et lui mettre de suite. Alors, l'idéal, ce serait, voilà, c'est... Oui, alors, il boit d'office, par contre, il plonge pas.
Je ne peux pas nager sous l'eau. Bon, il n'est pas mouillé, ça c'est bien. La température, il a pas trop chaud, il a pas trop froid. Aurais-tu une canne à pêche? Qu'est-ce que c'est ça? Fish and nail. Donc ça c'est pour pêcher, hein. Fabriquer 4 cordes pour faire un feu de camp. Méga campfire? T'as pas juste un petit campfire, genre ici? Large campfire, ouais. Et puis là, c'est just campfire. Ah bah, tu regardes, il n'y a pas besoin d'autant de trucs et je peux déjà faire le méga. Et ça c'est un piège, et ça c'est fish trap. Est-ce que tu crois qu'il attrape le poisson avec le stick? Il est où le campfire s'il te plaît? Il est là. Bon tiens, attends, ne bouge pas. Hey! Donc on a du charbon. Bah, oui, d'accord. Non, c'est non pour le charbon, on est d'accord. Attends, fuel, bah c'est marqué au-dessus, canard, fuel. Et puis de la viande, raw meat. Et ça c'est de la fourrure. Attends. Est-ce que tu veux que je l'allume ou une connerie dans le genre? Par contre, j'ai qu'une seule raw meat. Est-ce qu'il est allumé? Ah, take all. Ouais, comme d'habitude, hein, j'ai toujours un petit peu de mal. Craft item. Bon bah il m'a permis de les mettre là au-dessus, mais ils brûlent pas. Ah bah oui, moi je vois ignorer, ignite. Attends, bouge pas. Est-ce que ça marche ça aussi? Des Blackberry. C'est des portables? Tu vas le manger, portable. C'est ridicule, mais je le dis quand même et je le fais quand même parce que moi je suis un sac. Ok, et eh ben joli petit coin pour s'installer, avons-le nous. Voyons voir, je vais essayer de fabriquer ce truc. À mon avis, ce sera pour faire des vêtements. Je suis pas sûr, je pense que les peaux que j'ai gagnées, que j'ai fabriquées, je vais pouvoir me faire quelque chose avec. Je voudrais un chapeau de cow-boy. Est-ce que tu te réchauffes, genre ta température, elle augmente sa température, vous avez vu? Donc là, il va avoir trop chaud, en fait. Ok, ça c'est fait. The spelling wheel. And the spelling wheel is here. Voilà. C'est placé. Et du coup, eh ben, je peux faire du... Je peux faire du coton, parce que le coton, c'est là et c'est bien le coton. Je peux faire de la peau. Est-ce que tu prends le... A sleeping bag. Canvas and wool. Donc de la laine et canvas, je sais pas ce que c'est canvas. C'est de la peau. Il te faut 5 canvas et de la laine. Oui, bah j'ai pas de laine, j'ai pas trouvé de... J'ai du coton, mais j'ai pas de laine. Bon, bah ça c'est fait, donc du coup... Qu'est-ce que je peux encore fabriquer? C'est quoi ça? Pour collecter de water. Ah bah oui, c'est pour collecter l'eau. Dans le désert, je pense que ça sera... Oui, attends, bouge pas. Alors, est-ce que...
Me fais pas le coup de genre c'est brûlé, hein. J'ai plus de viande, par contre, il va falloir que j'aille pêcher. Il va falloir que j'aille chasser. Et c'est pas trop trop mal. Bah écoute, éteins-moi ce feu, gâche pas les ressources. Je suis pas si mal, je voudrais juste savoir où est-ce que je fabrique des vêtements. Fishing nail, water, tannerie. Eh bah, il faudrait peut-être commencer par faire une tannerie, non? Et non, parce qu'il manque quoi? Attends, bouge pas. Non, non, mais. Donc, il me manque de la fibre et. C'est quoi ça? Wild. Est-ce que c'est ça? Non, pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est que du Worldwide. Bon, eh bien, chers amis, petite découverte toute fraîche. Hein. Je suis désolé, ça n'a pas été extrêmement passionnant. Alors, l'abruti qui va tirer avec des flèches de merde sur un bison de 3 tonnes. C'est Kay, bah c'est Bibi. Tu me les fabriques, s'il te plaît? Donc je lui mets dans la tête. Ah! Je suis pas. Voilà, j'étais buté par un bison américain. Ah, qui c'est le débilos? Ah bah, très bonne façon de finir la vidéo. Je vous remercie infiniment de regarder cette petite vidéo. Est-ce que je vois mon corps? Ah, je le vois, regarde. Et en plus, j'ai mis le repère, donc je peux tout récupérer. Ah, je peux tout récupérer, c'est magique quand même. Hein. Bon, il fallait essayer la mort, au moins une fois, la mort vous voit si bien. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un énorme pouce bleu et un énorme abonnement de la mûre parce que ça fait toujours plaisir. Ça, il aurait fallu le ramasser. Je suis sûr qu'il y a de l'or là-dedans. Voilà, bah, abonnez-vous parce que vous avez pas raté les prochaines aventures du Cowboy Tatsujin Hero quand même. Faut pas déconner, hein. Des bisous, tchou tchou bye bye et à la prochaine.